Somme, tu es une couille. Ông chung nung chung ra xôm bạc cả bằng to xạ bằng nạ cá. Nếu bây giờ xôm chương xạ mê thư vi ca bia cái đây khiêu dùm phón phương xa ra nà. Xôm chương. Merci, Monsieur le Président. Bà xôm ọc con lô bà thiên. La responsabilité supposée de M. Kyusampan est évidemment, comme dans tout procès au pénal, le centre névralgique du jugement. C'est au cours de l'examen de cette responsabilité que l'on réalise à quel point la construction de ce jugement visait à la condamnation. C'est à ce moment-là que l'on voit quelle était son approche biaisée. Et là est le moment où je dois donner, même si nous vous l'avons expliqué au début de notre mémoire d'appel, quelques explications sur pourquoi nous avons rédigé notre mémoire de la façon dont nous l'avons fait. Il était important de pouvoir décortiquer par quel processus la Chambre était arrivée à la condamnation et quelles étaient les différentes strates qu'elle avait posées au long de son analyse et de sa réflexion pour arriver à la condamnation de M. Kyusampan. Et c'est pour ça que nous sommes partis de la partie 16 du jugement pour essayer de remettre de l'ordre chronologiquement et de replacer les faits dans leur contexte temporel à chaque fois pour évaluer à quel moment la Chambre trouvait l'origine de telle ou telle intention criminelle, où elle trouvait l'origine de telle connaissance. Et c'est pour ça que nous avons rédigé notre mémoire dans ce sens-là. Alors évidemment, ce n'est pas en 50 minutes que nous allons pouvoir aborder de façon exhaustive toutes les erreurs de la Chambre sur la responsabilité de la plante. Nous avons essayé de faire ce travail dans le cadre de notre mémoire d'appel. Aujourd'hui, je vais d'abord me concentrer évidemment sur les erreurs de droit de la Chambre et surtout faire en sorte de répondre aux questions que vous nous avez posées en répondant au passage à certains arguments des coprocureurs. Tout d'abord, un premier point que j'ai évoqué un petit peu dans le cadre des crimes et que je rappelle à nouveau ici, c'est important, la question de l'accessibilité et de la prévisibilité des modes de responsabilité. Dans notre mémoire d'appel, c'est au paragraphe 68 à 90. Kyusampan ne pouvait pas envisager les modes de responsabilité sophistiqués du droit pénal international coutumier en 1975. Même les modes de responsabilité de cette époque-là. Mais même si aujourd'hui on se pose la question, il faut se rappeler du contexte de l'époque. M. Kyusampan est au Cambodge. Il vient de passer X années dans le maquis. Le seul système qu'il connaît pour y avoir vécu la plus grande partie de sa vie, c'est le système dualiste du système juridique cambodgien, où il n'y a pas d'application automatique des normes internationales au système national. Ça, c'est un élément de contexte, c'est important à la fois. En 1975, il est clair qu'il n'était pas en mesure d'envisager ce que c'était l'entreprise criminelle commune. Il y a eu des discussions, comme je le rappelais ce matin, devant les TPI, à partir des années 90 sur ces questions. Rappelons quand même que lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune avec ce vocable-là, on ne le connaît qu'avec ces TPI. Au niveau de la réponse des coprocureurs à cet argument-là, voilà ce qu'ils nous disent. Ils se contentent en fait d'indiquer que la gravité des crimes suffisait à rendre évidente la supposée conduite criminelle de la plante. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Là, je renvoie à leur mémoire, paragraphe 26. En réalité, les coprocureurs savent parfaitement
qui sont fausses routes, puisqu'ils ont délibérément omis de présenter l'intégralité du raisonnement que vous avez suivi dans le cadre de la République. Et rappelons, avant d'aborder plus exactement ce que vous avez dit dans cet arrêt, que le comportement criminel de quelqu'un, c'est un actus reus et une mens rea. Le principe de l'égalité s'applique donc à chacun de ces deux éléments constitutifs. On ne peut pas en faire l'économie. Et le principe de l'égalité s'applique non seulement au crime, comme on l'a vu, mais également au mode de participation. Dans le paragraphe 96 de l'arrêt Duc, vous faites la même citation que fond de la décision Adzianovic au sujet de la prévisibilité. Et vous dites que certaines lois peuvent être considérées comme ayant été accessibles aux accusés. Mais vous poursuivez, toujours au paragraphe 96, en déclarant qu'une chambre peut s'appuyer sur le droit interne pour établir qu'un accusé aurait pu raisonnablement savoir que le crime en question ou celui commis de la manière décrite par l'acte d'accusation était prohibé ou punissable. Et c'est précisément notre argument. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous exposez qu'il y a une obligation de vérification des critères des éléments constitutifs des crimes et des modes de participation. Là, je renvoie au paragraphe 97 de la République, où vous dites que les CETC avaient l'obligation, compte tenu du principe de l'égalité et des protections attachées à ce principe, de s'assurer que les critères définissant les éléments constitutifs des crimes ainsi que des modes de participation retenus étaient prévus par le droit durant la période relevant de la compétence rationnée temporis. Ils doivent en outre avoir été prévisibles par les accusés et leur avoir été accessibles. Voilà le principe que vous avez posé dans la République. Et vous avez même souligné, toujours au paragraphe 97, qu'une évaluation minutieuse et rationnelle de ces critères est indispensable pour garantir la légitimité des CETC et des décisions qu'elles prennent. À la lumière de ce que vous avez dit, la réponse des coprocureurs pour soutenir la position de la Chambre est loin d'être convaincante. Je renvoie bien évidemment à notre développement sur l'entreprise criminelle au paragraphe 68 à 73 de notre mémoire d'appel. Mais avant d'en arriver plus précisément à la question que vous avez posée sur l'entreprise criminelle telle qu'elle aurait pu exister en 75, il me convient quand même de rappeler que dans l'interprétation de la Chambre de ce qu'est l'entreprise criminelle de forme 1, il y a une erreur fondamentale puisqu'elle lui applique la mens rea de le CC de forme 3. La Chambre s'est complètement fourvoyée dans sa définition de la mens rea de le CC 1. Et elle a tenté de légitimer cette erreur au moyen d'une interprétation extensive de l'actus reus. Et là, je renvoie au jugement au paragraphe 694 et 696. Les divers critères sur lesquels elle se fonde pour arriver à cette position n'existaient pas plus à l'époque des faits incriminés qu'aujourd'hui. Ça, nous le verrons dans un instant. Mais en tout état de cause, son interprétation est fausse et ne pouvait en aucun cas engager une telle forme de responsabilité pour M. Cossampan. Rappelons que la Chambre, au départ, fait un rappel correct de l'actus reus. Elle dit d'abord qu'il faut qu'il existe un projet commun qui consiste à commettre un crime ou qui en implique la perpétration. C'est en droite ligne avec la décision qui avait été rendue du 12 novembre 2011, document E100/6, dans laquelle elle avait exclu l'application de le CC3.
Le problème, c'est qu'après avoir fait ce rappel correct, elle va glisser et elle fait un glissement sémantique sur le projet commun. Et là, elle dit qu'un projet commun peut soit tendre en tant que tel à la commission de crime, soit envisager la commission de crime comme moyen d'y parvenir. Que nous dit-on de l'autre côté de la barre? Ça, c'est cette critique que nous formulons. Paragraphe 313 de la réponse des coprocureurs, on nous dit qu'il n'y a pas de différence. Et pourtant, la différence est importante. Ces formulations différentes, elles ont une signification différente. Et là, avant même de faire du droit, on va faire simplement du vocabulaire. Un plan commun qui implique la perpétration d'un crime. Et là, je renvoie au jugement, paragraphe 692, qui renvoie à l'arrêt adic. Et là, nous sommes d'accord, nous sommes sur la bonne définition. Cela veut dire qu'il est certain qu'un crime sera commis du fait de la réalisation de ce but commun. Le crime en fait intrinsèquement partie de ce but commun. À l'inverse, un plan commun qui ne fait qu'envisager la perpétration d'un crime, là c'est paragraphe 696 du jugement, est un plan commun pour lequel il y a une éventualité de la commission d'un crime. C'est une possibilité. Ça n'en fait pas intrinsèquement partie. Et l'on voit bien que dans cette formulation différente, la Chambre a introduit un élément de probabilité qui n'existe pas au départ dans l'actus reus de l'entreprise de crime, tribunal commune de forme 1. Elle baisse son standard. Et on voit bien dans cette formulation différente qu'il y a une volonté de baisser son standard pour arriver à un but. Et pourquoi? Et c'est ce que je vous dis depuis hier, en parlant des déformations de la preuve, après en parlant des déformations pour l'actus reus et surtout la mens rea des crimes. On a besoin d'abaisser ce standard parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve pour arriver à atteindre un standard correct qui permette de dire que M. Kyungsampan avait la volonté de commettre tel crime. Et ça nous amène bien évidemment maintenant à répondre à votre question sur l'état du droit international que tu mis en 75 en ce qui concerne les crimes incertains ou probables. Votre question exacte, pour ne pas la déformer, est la suivante. Vous demandez si, en application du droit international coutumier, tel qu'il était en 75, la responsabilité pénale individuelle fondée sur l'entreprise criminelle commune dans sa forme élémentaire, pour autant qu'elle existait à l'époque des faits, aurait obligatoirement nécessité que l'auteur ait cherché à ce que les crimes en question soient commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un objectif commun, dans le sens où la commission des crimes était l'objectif commun, ou si elle englobait également les situations dans lesquelles l'auteur savait que, dans le cours normal des événements, les crimes en question A seraient ou B pourraient être commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un objectif commun. Avant de rentrer dans mes développements, il faut que j'aille un petit peu plus doucement. Je vais essayer de ralentir, Monsieur le Président. Je n'ai pas une traduction, mais je suppose que c'est... Je suppose que c'est un trait à la vitesse de mon débit. Je vais essayer de ralentir. Donc, avant de rentrer dans mes développements et de faire une revue de la jurisprudence que nous avons d'époque, je vais répondre, pour qu'il n'y ait pas de suspense, que pour nous, effectivement, la réponse est claire, il n'y a pas de place pour les crimes incertains. Les crimes en question doivent faire partie du projet commun et l'auteur doit avoir l'intention de commettre un crime spécifique. Il faut que l'auteur ait l'intention que des crimes soient commis lors de la mise en œuvre du projet commun, et ceci de manière certaine. Et la revue de la jurisprudence du tribunal militaire international, les procès de Nuremberg ne disent pas le contraire. Alors,
Je ne vais pas rentrer dans les discussions doctrinales, parce qu'il y a eu de nombreuses discussions sur le fait de savoir, d'accord, que la notion en tant que telle d'entreprise criminelle commune, ce vocable, cette qualification, n'existe pas avant les TPI. Elle a été élaborée par la suite. On a fait un parallèle entre l'entreprise criminelle de forme 1 et, je vais dire le mot en anglais pour ne pas déformer, et la conspiracy. Et c'est a priori ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'est l'entreprise criminelle commune. Donc je n'entre pas sur les discussions doctrinales et même jurisprudentielles, notamment l'affaire Milutinovic où il y avait une comparaison entre les deux qui visait à montrer que peut-être ce n'était pas la même chose. Mais partons du principe qu'il y a de grandes similarités. Partons sur ce principe, d'autant plus que je peux rappeler la décision de Nuremberg, où dans les actes d'accusation, on se référait toujours en anglais « to a common plan » or « conspiracy ». De la même façon qu'on le retrouve également dans les travaux, le code des crimes de la Commission de droit international de 1996, on parle, là, je dis toujours en anglais, « The principle of individual responsibility for formulating a plan or participating in a common plan or conspiracy to commit a crime ». Fin de citation. Et ce que nous soutenons devant la Chambre, c'est qu'il est impossible de tirer argument de la jurisprudence des procès de Nuremberg pour dire qu'il y a, même dans le cadre de cette conspiracy, un standard moins élevé que celui prévu dans le CC1, tel que rappelé ou tel que déterminé dans Tadic. Ni la Chambre de première instance, ni les coprocureurs ne peuvent raisonnablement soutenir qu'au vu de la jurisprudence de Nuremberg, avant 75 et en 75, le droit international coutumier prévoyait un standard moins élevé que la volonté de participer, la volonté de commettre un crime. C'est impossible. Il cite plusieurs affaires. L'affaire des Einsatzgruppen, l'affaire Schoenfeld et l'affaire Paul. Alors, il est important que je rappelle que la plupart du temps, nous n'avons pas forcément les jugements dans leur intégralité. Il y a un grand nombre de cette jurisprudence qui a été rappelée et citée abondamment dans la jurisprudence Tadic. Et je demande votre bienveillance dans la manière dont je vais citer parfois certains extraits, sachant que c'est souvent des extraits de Tadic avec les traductions de Tadic. Et c'est important de faire cette revue de manière chronologique pour montrer qu'il y a une continuité dans cette jurisprudence. D'abord, en dehors de ce que a pu citer les coprocureurs, c'est important de se rappeler que dans l'affaire Sandrock, le procès d'Almelo, novembre 1945, nous avons trois Allemands déclarés coupables du meurtre d'un prisonnier britannique. Évidemment, nous sommes dans le cadre de crimes de guerre, puisque le droit militaire, comme nous l'avons rappelé encore ce matin, était une source essentielle dans le cadre de ces affaires. Et dans cette affaire, l'assesseur rappelle, il était indiscutable, à mon sens, que les trois Allemands savaient ce qu'ils faisaient et s'étaient rendus là dans le seul but de tuer cet officier. Vous n'êtes pas sans savoir que si des personnes sont toutes présentes ensemble, au même moment, participant à une entreprise illicite commune, contribuant chacune à sa façon à l'objectif commun, elles sont toutes également coupables en droit. C'est important de rappeler les faits de l'espèce, puisque nous sommes dans le cadre, oui, d'une entreprise illicite commune, comme il l'est dit dans cet extrait, avec des personnes présentes, participant à cette entreprise, et qui savent exactement que le but est illicite, tuer quelqu'un.
Le crime doit donc être planifié. Il ne s'agit pas d'un crime éventuel, il ne s'agit pas d'un crime probable, c'est le plan qui a un but criminel en soi. Avril 1946, l'affaire Holzer et consort. Nous sommes cette fois-ci devant le tribunal militaire canadien. Et là, l'assesseur parle d'entreprise commune s'agissant du meurtre d'un prisonnier de guerre canadien par trois Allemands. Et c'est cité dans Tadic, a souligné que ces trois personnes savaient qu'elles emmenaient la victime en un endroit précis dans l'intention de la tuer. Là encore, on parle d'entreprise commune, mais toutes les personnes membres de cette entreprise ont un plan qui est en soi criminel. Août 1946, affaire Jespin et consorts, là encore cité dans Tadic, je cite, si Jepsen a pris part à ce massacre délibéré de quelques 80 personnes, aidant les autres en faisant sa part de la besogne, l'ensemble des quelques 80 meurtres peuvent lui être imputés, ainsi qu'à chacun des hommes qui ont d'une quelconque manière aidé à commettre cet acte. Là encore, on pourrait parler de complicité, mais enfin en tout cas, c'est une participation active à un plan en vue de commettre un acte qui est criminel en soi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crime certain. Le but est d'aller commettre ces 80 meurtres. Analysons maintenant la jurisprudence telle qu'elle est citée par l'accusation. En tout cas, dont j'ai compris qu'ils vont faire état. Juin 46. Cette jurisprudence, enfin en tout cas, on a un extrait du rapport sur cette affaire. Et voilà l'extrait qu'ils ont a priori l'intention d'utiliser. Il est dit, si plusieurs personnes s'associent dans un but illicite ou dans un but licite en ayant recours à des moyens illicites et que l'une d'elles réalise cet objectif et tue quelqu'un, ce meurtre est imputable à toutes les personnes présentes à condition qu'il ait été commis par un membre du groupe tandis qu'il s'employait à mener à bien l'objectif commun du groupe. Fin de citation. Alors, cette citation, quand on la prend hors contexte, on ne comprend pas forcément quelle est la valeur et à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une conclusion des juges dans le cadre de ce procès? Eh bien non. Il est important de noter, lorsqu'on se réfère aux documents des coprocureurs, que ce qui est cité ici est une disposition de droit anglais qui est faite par le judge advocate. Alors, je ne suis pas une experte dans les tribunaux de l'époque, mais si je comprends bien, c'est soit un juge assesseur, soit un procureur, en tout cas, qui donne des conseils au tribunal. Donc c'est un rapport qu'il fait. Nous n'avons pas la motivation du jugement sur la question. Donc de dire que c'est de la jurisprudence serait bien aller trop loin. Nous n'avons pas de jugement écrit, mais simplement la conclusion des parties sur la question. Mais surtout, même si nous n'avons pas la trace du raisonnement exact tel que le tribunal a ensuite jugé l'affaire, ce qui est important, c'est qu'un petit peu plus loin, il y a d'autres explications qui sont données. Et quand je dis qu'il n'y a pas de traces exactes du raisonnement de la Chambre, c'est dit dans le document. The military court did not of course state its reason for deciding as it did. Excusez-moi. Et là, c'est le law report, volume 11, page 71. Donc, on ne peut pas dire que nous avons un jugement sûr qui va sur ce point. Mais il faut aussi rappeler les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire Schoenfeld,
les juges étaient amenés à s'interroger sur la complicité de membres d'une unité militaire qui, participant à une arrestation, aurait été présent au moment où un certain Rotchop avait exécuté de façon illégale trois hommes. Donc déjà, au niveau de la responsabilité, on est peut-être plus dans le domaine de la complicité que dans le domaine de la conspiracy. Mais je continue. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le même juge avocat qui a cité la disposition de droit militaire anglais, qui est l'extrait que veulent utiliser les coprocureurs, le juge avocat dit plus loin autre chose et il résume la problématique. Voilà ce qu'il résume. If the court, excusez-moi, j'ai oublié de prévenir que je parle en anglais. If the court takes the view that the object of the visit to the Diepenstraat 49 was in its origin lawful, that is to say, to effect arrests, and was being carried out by lawful means, but that in the course of its prosecution, Rotschop killed the three men, but that the others did not aid or abet such killing, then, no doubt, the court would find them not guilty of the charge of being concerned in the killing. Fin de citation. Donc là, que l'on envisage la question sur le plan de la complicité ou sur le plan d'un plan commun, en tout état de cause, la problématique telle que résumée par le même judge advocate qui a rendu, qui a rappelé la norme de droit anglais, la norme de droit militaire anglais. Lui, quand il résume la problématique, il dit bien qu'il faut qu'il y ait une participation, une implication dans un objectif qui est criminel en soi. Et la jurisprudence qui vient ensuite vient conforter cette analyse. Et là, je renvoie à l'affaire Ponzano, août 1948, également cité dans l'arrêt Tadich. Il importe qu'un accusé, avant d'être reconnu coupable, ait été impliqué dans le crime. Être impliqué dans la perpétration d'un crime ne signifie pas seulement que l'intéressé soit la personne qui a infligé le coup mortel et causé directement la mort de la victime, que ce soit par un coup de feu ou par tout autre moyen violent, mais suppose également un degré de participation indirecte. En d'autres termes, il doit être le rouage dans la succession des événements qui a conduit au résultat qui s'est effectivement produit. Il peut parvenir à ses fins, non seulement en donnant l'ordre de commettre un crime, mais aussi par divers autres moyens. La question qui est ici n'est pas de savoir si c'est un crime improbable ou incertain, la question est de savoir si c'est une participation directe ou indirecte. Il n'empêche que la connaissance du but doit être celle de savoir qu'on sait que c'est pour un crime. Il était nécessaire que l'accusé ait eu connaissance du but envisagé de l'entreprise criminelle, la partie criminelle de l'entreprise criminelle commune. Et quand je dis la partie criminelle de l'entreprise criminelle commune, c'est qu'il convient de rappeler que dans le cadre du procès qui nous occupe, et les juges d'instruction et la Chambre ont retenu que l'instauration d'un régime socialiste au Kampuchea démocratique n'était pas en soi un but criminel, mais qu'il y aurait eu des politiques qui auraient impliqué ensuite l'interprétation d'un crime. Et ce que nous avons toujours dit au niveau de l'équipe de Pio Sampan pour la défense de notre client, ce que nous avons toujours soutenu, que ce soit à la barre ou que ce soit dans nos écritures, c'était de dire que jamais la Chambre m'apporte la preuve que Pio Sampan ait collaboré à un moment avec le régime du Kampuchea démocratique dans le but de commettre un crime. Il y avait un projet politique et jamais la Chambre ne détermine quelle serait la partie criminelle du but commun et quelle serait l'implication et la contribution significative de Pio Sampan à une partie criminelle. Je reviens à la jurisprudence d'époque. La nécessité de prouver la connaissance du but criminel
il est nécessaire de prouver que lorsqu'elle a pris part au crime, elle en connaissait le but envisagé. C'est important. Une personne est effectivement impliquée lorsqu'elle connaissait le but envisagé de ses actes. Autre jurisprudence, l'affaire Paul, le procès des WHA 1948. Dans cette affaire, ont été déclarés coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre plusieurs accusés qui avaient en charge à différents niveaux le fonctionnement de camps de concentration. Là encore, il est intéressant que de noter que pour chacun des accusés, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que mon temps file, que pour chacun des accusés, le rapport, en tout cas c'est ce qu'il en ressort, indique qu'ils avaient soin un rôle ayant un lien direct avec la commission des crimes ou ayant un rôle qui a joué qui a été un élément indispensable à la commission des crimes. Pour aucun des condamnés, la notion du but commun autre que le criminel n'est envisagée. Même chose pour une autre jurisprudence que les procureurs veulent utiliser, 1951, l'affaire des Einsatzgruppen. Là encore, il est rappelé, il ressort des documents, la nécessité d'être lié à la perpétration du crime. On ne parle pas d'un projet autre que celui de la perpétration d'un crime. Voilà ce qu'on peut y lire, et ça, encore une fois, tel que rappelé dans l'arrêt d'Adif. Ainsi sont coupables non seulement les auteurs principaux, mais aussi les complices, ceux qui consentent à prendre part à la perpétration d'un crime et qui sont mêlés à des projets ou entreprises liés à une telle perpétration, ceux qui ordonnent ou encouragent le crime et ceux qui appartiennent à une organisation ou à un groupe cherchant à commettre un crime. Là encore, le but est clair, il faut qu'un crime soit envisagé, il faut que le crime soit le but. Et je vais passer, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il me reste encore pas mal de choses à aborder, mais simplement, il a été retenu que tous les membres savait que le but était d'exécuter un programme de meurtre à grande échelle. C'est la jurisprudence telle qu'on la comprend du rapport. Donc là encore, le but commun dans la présente affaire, celle qui nous occupe, n'est pas, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les juges d'instruction, c'est la chambre de première instance, le but commun n'est pas criminel en soi. Et c'est ce que nous avons soutenu en disant, ben, s'il n'est pas criminel en soi, il faut non pas que nous disent qu'il a participé au but commun de façon générale, qui n'est pas criminel en soi, mais à quelle partie il a participé et quelle contribution significative il a apporté pour la commission des actes criminels. Voilà pour la jurisprudence de l'époque et voilà pour la réponse à votre question. En fonction de la jurisprudence de l'époque, essentiellement, donc qui correspond essentiellement au procès de Nuremberg, il n'y a pas de place pour le crime incertain, il n'y a pas de place pour le crime éventuel. Et la question que je rappelais encore ce matin et que j'ai rappelée au début de mon propos, la question essentielle demeure, à savoir quelle était l'accessibilité et la prévisibilité de ce type de mode de responsabilité à M. Khieu Samphan. Encore une fois, 70-75, il est dans le maquis. Il sort, nous sommes dans un Cambodge ravagé. Où est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité pour quelqu'un comme M. Khieu Samphan d'aller s'asseoir dans une bibliothèque et d'aller expliquer, savoir comment on pourrait interpréter de façon extensive un mode de responsabilité de conspiration comme devant les tribunaux de Nuremberg et encore plus avec un dol éventuel qui n'existe absolument pas dans la jurisprudence que je viens de voir avec vous. Et puis, soyons honnêtes, ni les couches d'instruction, ni la chambre de préliminaire, ni la chambre de première instance, ni les procureurs à aucun stade de débat n'ont soulevé cette notion qui aurait pu exister en 75.
Alors, si plus de 40 ans après les faits, plus de 15 ans après l'arrêt Tadich, vous êtes les premiers à poser la question, inutile de vous dire que ce n'est pas monsieur que Sampan, du fond de son maquis ou au sortir de son maquis, qui pouvait avoir l'idée de penser à une telle forme de mode de responsabilité. Donc nous maintenons d'autant plus fort que la Chambre a commis une erreur de droit sur l'élément moral en abaissant l'intention de commettre un crime spécifique à un standard de moindre degré qui serait la conscience que des crimes seraient très probablement commis. Là, je renvoie à notre mémoire, paragraphe 68 à 71. Et je rappelle sur le CC1 que l'arrêt Gvoka, que la Chambre cite à l'appui de son affirmation, ne dit jamais que c'est l'intention de participer. Il dit bien intention de réaliser le but commun. Et que par ailleurs, la jurisprudence est limpide. Arrêt Tadich, paragraphe 228. Par contre, en parlant de l'ECC1, par contre, l'élément moral mens rea varie en fonction de la catégorie dont relève le dessein commun en question. S'agissant de la première catégorie, l'élément requis est l'intention de commettre un crime spécifique, cette intention étant partagée par l'ensemble des co-auteurs. Arrêt Vasily Djevitch, paragraphe 101. La mens rea varie en revanche en fonction de la catégorie de l'ECC envisagée. S'agissant de la forme élémentaire de l'ECC, l'élément requis est l'intention de commettre un crime précis, cette intention étant partagée par l'auteur. On peut encore poursuivre. L'arrêt Stakic, paragraphe 65. La mens rea requise pour conclure à la culpabilité varie en fonction de la catégorie de l'ECC envisagée. S'agissant d'une ECC de première catégorie ou élémentaire, il faut prouver que l'accusé et les autres participants à l'ECC avaient l'intention de commettre un crime précis. Arrêt Senovitch, paragraphe 996, je cite en anglais, « The trial chamber correctly articulated » the requisite mens rea for the first category of GCE, explaining that it had proved that the accused shared with the other GCE members the intent to commit the crime of the underlying offense. Fin de citation. Je rajoute également l'arrêt Mounia Kazi, 28 septembre 2011. En anglais encore, the basic form of joint criminal enterprise, which is at issue in this case, requires that the accused must both intend the commission of the crime and intend to participate in a common plan aimed at its commission. Et c'est bien ce que je vous disais au début de mon propos. Le problème à laquelle la Chambre de première instance s'est heurtée est qu'il n'a jamais établi que Que Sampan était animé de l'intention de commettre un crime spécifique, que ce soit dans le cadre des déplacements de population phase 1, phase 2 ou à Trompolchret. Et c'est pour ça que c'est en violation du droit et en parfaite contradiction avec la jurisprudence constante des juridictions pénales internationales, y compris celle de Nuremberg, que la Chambre a eu besoin d'utiliser un concept de moindre degré, la prévisibilité des crimes ou la conscience que l'accusé a eue de ce que ces crimes seraient très probablement commis. Et là, je renvoie au jugement 944, paragraphe 944. Ce critère qui est transposé illégalement de la doctrine de l'ECC, sur laquelle reviendra plus longuement mon confrère Kong Samon, était inapplicable et ne pouvait servir de subsidiaire ou de palliatif à l'intention qu'un crime soit commis. C'est clair. Nous renvoyons sur ce point à le développement dans le cadre de notre mémoire d'appel. Il est intéressant de noter que, comme je vous le disais, la question de l'introduction du mode opératoire récurrent avec toutes ces recherches d'éléments antérieure à la compétence du tribunal, n'avait que pour but pour la Chambre de trouver une base à cette possibilité que le crime soit commis. Avec cette mens rea moindre, il fallait trouver deux des éléments pour trouver un lien entre Que Sampan et le crime et pouvoir entraîner sa responsabilité.
Je passe parce que je vois que mon temps arrive bientôt à sa fin et je dois répondre également à la question sur l'éventuelle requalification. Vous nous avez demandé des écritures ce matin. Monsieur le coprocureur en a parlé rapidement. Vous avez indiqué que vous envisagiez peut-être, c'est une possibilité, de requalifier le mode de responsabilité pour les crimes d'extermination lors de la phase 1 des déplacements de population, d'extermination lors de la phase 2, de disparition forcée et de persécution pour motif politique et le temps m'est compté, donc je renvoie évidemment à nos écritures F30/5. Mais je veux quand même répondre aux observations F30/6 des coprocureurs. Tout d'abord, pour rappeler quelle était notre position, je résume notre position dans nos écritures. Au vu du droit applicable et des circonstances de l'espèce, voilà ce que nous vous avons dit. Nous vous avons dit que vous ne pouvez pas procéder à une telle requalification pour trois raisons. La première, cela reviendrait à introduire pour la première fois en appel un nouvel élément constitutif sur lequel la Chambre n'a pas été appelée à statuer. En effet, le CC comporte des éléments constitutifs différents, notamment l'actus reus, avec l'intention partagée de commettre un crime spécifique, et plus exigeant que les autres modes de participation sur lesquels la plan a été poursuivie au terme de l'ordonnance de clôture. Il ne s'agit pas d'un simple degré de participation. Il y a un certain nombre d'éléments spécifiques qui ne sont pas intrinsèques à l'accusation initiale. Je renvoie à nos écritures, paragraphes 18 à 27. Deuxième raison, vous aggraveriez, si vous faisiez ça, le sort de M. Kessampan, qui a interjeté appel, lui. Merci, M. le Président. Peut-être que ça me permettra d'avoir un peu plus de sérénité dans mon débit. Le deuxième point que nous avons soulevé dans nos écritures, c'est que la Cour suprême aggraverait le sort de M. Kessampan, qui a fait appel, tandis que les coprocureurs n'ont pas fait appel de ce jugement. Ils ont fait appel simplement d'une décision sur l'application de le CC3 et que s'étant abstenu, nous serions dans une situation où nous serions en violation du principe que vous-même avez rappelé, savoir la règle 110-3 du règlement, à savoir non-reformation in peius, selon lequel la décision de recours ne doit pas réviser la décision de première instance au détriment du requérant, en l'occurrence, au détriment de celui qui fait appel, plaçant ce dernier dans une position plus défavorable que celle qu'il était dans laquelle il était avant le recours. Et là, ce serait le cas, puisqu'on aurait une nouvelle forme sur ces crimes précis, une nouvelle forme de responsabilité qui n'avait pas été envisagée initialement. Et enfin, troisième obstacle selon nous, la Cour suprême violerait le droit de M. Kessampan à une voie de recours, puisqu'en application de la règle, j'ai un problème dans mes notes, enfin d'une règle du règlement, il n'y a pas de renvoi. Vous déterminez le sort de M. Kessampan en dernier ressort et il n'y a donc pas de voie de recours sur à la suite de cette nouvelle qualification. Que disent les coprocureurs en réponse avec leur document F30/6? Les coprocureurs vous demandent d'agir contre légalement. Il commence par rappeler la règle 110.2, selon laquelle la Chambre peut substituer à la qualification retenue par la Chambre de première instance une autre qualification. Cependant, elle ne peut introduire un élément constitutif nouveau pour lequel la Chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer. Je recommence. Je renvoie à la règle 110.2.
La chambre, effectivement, peut substituer à la qualification retenue par la chambre de première instance une autre qualification. Cependant, elle ne peut introduire un élément constitutif nouveau sur lequel la chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer. Il rappelle, et je pense qu'ils l'ont rappelé ce matin, il cite les jurisprudences de la CPI et des CEDH, mais aucune de ces jurisprudences n'est pertinente, dans la mesure où aucune de ces jurisprudences n'est basée sur un texte similaire dans le système judiciaire. Au CETC, le texte est clair, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. La Cour suprême n'a pas besoin d'être guidée par autre chose que la règle 110-2 et son pendant dans le code pénal cambodgien, à savoir qu'il y a une interdiction formelle et expresse à la Cour suprême d'introduire un élément constitutif nouveau sur lequel la chambre de première instance n'a pas été appelée à statuer. Et ce que les coprocureurs vous demandent, ce n'est même pas de la requalification, c'est une extension de qualification. Or, une requalification, ce n'est pas une extension, c'est une substitution de qualification. On change, on remplace une qualification par une autre. Et la confusion des coprocureurs est flagrante, puisque au paragraphe 14 de leur réponse, ils vous demandent, en les étendant, ils demandent là, je cite en anglais, « recharacterization of GCA convictions ». Si vous deviez, et ils vous le demandent en les étendant aux crimes qui n'avaient pas reçu cette qualification au départ. Et ça revient précisément à l'obstacle que nous voyons, à savoir que, puisque, et c'est au paragraphe 19, les coprocureurs reconnaissent que l'entreprise criminelle a des éléments constitutifs spécifiques, et notamment, the accused must have intended to participate in the common purpose, et là, mauvaise citation, enfin en tout cas, mauvaise explication, puisque nous rappelons encore une fois que l'intention requise n'est pas celle de participer au but commun, mais de commettre un crime spécifique. Et la règle 110.2 interdit formellement à la Cour suprême d'introduire des éléments constitutifs nouveaux. Donc, pour nous, il y a un vrai obstacle. Et dans l'arrêt Duc, puisque c'est dans cette jurisprudence qu'il y a eu la possibilité de requalification, la situation n'était pas la même. Il y a eu requalification par votre chambre sur des éléments sur lesquels la chambre de première instance avait été amenée à statuer. Elle avait été amenée à statuer. Là, je renvoie au paragraphe 15. Vous avez pris le soin de respecter la règle 110.2 et l'article 401 du Code pénal cambodgien. Vous avez précisé que l'accusé n'avait pas été accusé de ces crimes avant d'indiquer qu'en déclarant formellement l'accusé coupable de ces crimes, vous respectiez la règle 110.2 du règlement intérieur et l'article 401 du code de procédure pénale cambodgien. Et là, vous avez cité la règle. Et là, je renvoie à l'arrêt Duc F28, à la note de bas de page 735. Dans Duc, encore une fois, la chambre de première instance avait été appelée à statuer sur les crimes en question, ça ne s'agissait pas de mode de responsabilité, mais en tout état de cause, si on voit le reste de la jurisprudence, on pourrait par exemple l'arrêt statique au paragraphe 58-104, qui est cité par les coprocureurs à l'appui de leur position, on vous dit que c'est un exemple dont vous pouvez vous inspirer. Ce n'est absolument pas le même cas que la jurisprudence Stakic, puisque la différence fondamentale est que la chambre de première instance avait été appelée à statuer sur les crimes en question avant elle. Et ça, on ressort quand vous regardez au paragraphe 58 et 104 de ce jugement, c'est très clair. La chambre de première instance s'était prononcée sur la question. En l'espèce, la chambre de première instance ne s'est pas prononcée sur le mode de responsabilité sur ces faits particuliers.
on a parlé d'autres. Il convient aussi quand même de rappeler que nous avons eu une instruction, des juges d'instruction qui s'attachent sur la question, qui ont fait un choix. Les procureurs avaient la possibilité de demander une requalification à ce stade, ça n'a pas été fait. Pas d'observation sur les éléments au moment des observations ou des objections préliminaires. La chambre elle-même n'a jamais invité les parties à une question, sur cette question à requalifier. Donc nous avons tout un procédure où nous arrivons et pour la première fois la question se pose au niveau de la Cour suprême, et on ne peut pas priver M. Cossampan d'un double degré de juridiction, précisément notamment parce que c'est lui qui a fait appel et aujourd'hui ce serait le mettre dans une position beaucoup plus défavorable que celle qu'il avait avant de faire appel. Sur le reste, vu qu'il ne me reste que quelques minutes, je vais aller très rapidement et éventuellement être à votre disposition sur les questions que vous pourriez avoir. Simplement dire que la question de l'abaissement du standard en ce qui concerne la mens rea est la même pour l'aide et l'encouragement. Même chose sur la planification et même chose sur l'incitation. Sur l'aide et l'encouragement, en gros, l'élément moral de l'aide et l'encouragement repose sur une coutume internationale, nous disent les coprocureurs. Il cite des arrêts. Il faut rappeler que l'arrêt Furunjusa cite trois sortes d'éléments moraux. Connaissance de la contribution, connaissance, identité d'intention entre le complice et l'auteur et absence de mens rea. Et là encore, rappelons que c'est une jurisprudence qui est postérieure. J'en terminerai là simplement en indiquant, puisque je n'ai pas eu le temps de rentrer sur les éléments factuels, un exemple pour montrer à quel point l'argumentation de la Chambre et la confession de la Chambre fait défaut et pleine d'erreurs et surtout ne correspond à aucune logique. Je renvoie au paragraphe 955 du jugement où on nous explique que le mode de responsabilité sur le fondement de l'entreprise criminelle commune et sur la connaissance supposée de M. Cossampan sur l'intégralité des politiques fait qu'il savait tout le temps. Paragraphe 955, Cossampan est une Paul Schrey. Que dit la Chambre? Elle dit, par conséquent, même s'il n'existe aucun élément de preuve établissant que Cossampan avait connaissance de la nature spécifique des crimes commis sur le site de Tul Pol Chrey, la Chambre de première instance est convaincue qu'il savait qu'existait alors un mode opératoire récurrent consistant, après la libération d'une zone, à arrêter, exécuter, faire disparaître les soldats et fonctionnaires de la République mère et à leur infliger de mauvais traitements. Vous avez par ce paragraphe la démonstration de ce que je vous ai dit depuis le début de ces audiences, à savoir que les erreurs de fait, les erreurs sur la qualification des crimes et les erreurs sur le mode de participation n'ont qu'un seul but, c'est de dire que même s'ils ne savaient pas, même s'il n'a pas participé, même s'il n'y a pas de contribution significative, il doit être condamné. Et c'est bien là le problème central de ce jugement. Je suis venu à la maison. Chúng cứ vì liên mau đọc buôn nâng sai sầm nhiệt tí như nâng trôi vinh chúng cứ bắt cả sầm rạ.